Bonjour à tous, les signes de Capricorne, votre tirage pour le mois de décembre. Le mois de décembre, général, je vais mettre tous les domaines, on verra. Sentimental, je commence avec sentimental. Il y a une invitation à sortir avec cette personne. Il y a si vous êtes dans le couple, il y a une réunion familiale, une communication, une dialogue avec la famille, peut-être un repas familial ou une réunion familiale ou une fête. Si vous êtes un célibataire, vous êtes avec une personne, il y a une invitation pour une sortie ou une discussion, communication, peut-être il y a les choses que vous avez besoin d'exprimer sentimentalement. Parce que vous avez besoin aussi de la tranquillité, vous avez besoin aussi de trouver la paix, parce que vous êtes peut-être fatigué, vous avez peut-être discuté ou régler un problème avec quelqu'un, ou soit quelque chose de familial. Si vous êtes célibataire, vous êtes peut-être éloigné parce que vous êtes fatigué moralement, vous cherchez calmer l'esprit et vous avez besoin pas. Tout de suite, peut-être discuter, besoin d'éloigner un petit peu pour trouver votre la paix intérieure et votre calme, pour vous garder votre calme. Si vous êtes à une réunion familiale ou à une fête, il y a une discussion, mais vous êtes une personne qui calme, vous êtes quelqu'un qui calme l'esprit, communique tranquillement et pas stressé par les conflits. C'est quelque chose. Beaucoup l'harmonie, plus l'harmonie dans la communication ou les dialogues dans le couple ou dans les relations. Alors, il y a attention, là, côté l'argent, je pense, il y a une trahison. Ah, il y a les jalousies, quelqu'un jalouse de vous. Parce que peut-être vous êtes bien dans votre situation matériel, ou soit vous êtes en stabilité, il y a quelqu'un dans votre entourage, ou soit quelqu'un proche de vous, votre famille, ou soit quelqu'un que vous connaissez déjà. Cette personne qui est jalouse et quelqu'un qui est malhonnête, faites attention. Si vous prêtez votre argent, soit vous donnez à quelqu'un, soit si vous êtes avec une personne, il reste avec vous seulement pour l'argent. Attention, les trahisons. Si quelqu'un il a envie peut-être de prendre tout l'argent, qu'elle ne vole pas votre bonheur, ou peut-être quelqu'un qui a même quelqu'un malhonnête, qu'elle demande peut-être l'argent, soit qu'elle rembourse pas cet argent, soit quelqu'un qui vole peut-être jouer avec vous, prendre l'argent et peut-être pas rembourser, ou soit quelqu'un il est avec vous seulement pour tirer l'argent et faire attention. Alors le contrat, le contrat, vous sentez peur, vous êtes sentez les culpabilités, c'est un contrat qui vous est éloigné, soit vous êtes parti d'un travail, vous êtes quitté un travail. Et maintenant, vous sentez la culpabilité. C'est quelqu'un qui cherche beaucoup longtemps des travails, peut-être qu'il ne trouve pas. Et c'est quelqu'un qui sent la culpabilité parce que vous êtes quitté ce travail. Et peut-être que vous êtes resté longtemps pour chercher du travail. C'était difficile pour vous. La famille. Alors, la famille, il y a une séparation avec la famille. Soit si vous êtes marié, il y a une séparation. Une séparation, peut-être un déménagement, un changement de maison, un changement de destin avec une personne que vous êtes déjà une famille avec. Peut-être il y a un changement, déménagement, séparation. Si vous êtes déjà marié ou déjà la famille avec les enfants, avec cette personne, il y a vraiment une séparation, vous trouvez un logement, soit une autre maison, et votre destin comme un changement de destin. Pour vous, vous ne restez pas avec cette personne. Alors, la santé. La santé, il y a un chèque, il y a
Difficulté la santé. C'est quelque chose qui vient de votre, comment dire, une maladie qui vient de votre famille. Ça vient comme un héritage qui vous êtes, exemple, c'est quelqu'un qui a toujours mal, mal les genoux, mal, mal une maladie qui vient de famille en famille. C'est quelque chose que vous êtes un héritage. Héritage, peut-être une maladie, une soie. Vous êtes quelque chose, peut-être la tête, beaucoup la tête mal, toujours un problème de, toujours les migraines, ou soit vous êtes un problème de circulation, ou soit il y a un problème de l'os, il y a quelque chose de muscle, et peut-être vous êtes un héritage familial, peut-être votre, votre parent, ils sont les mêmes situations qui sont. Une maladie qui vient de beaucoup la génération génération. C'est comme votre maman, il a mal les genoux, vous aussi peut-être mal les genoux, ou soit c'est quelqu'un qui a une maladie qui vous est à un héritage. Est-ce que cette maladie, ça va trouver un problème? C'est l'homme peut-être il n'est pas bien. Une maladie que peut-être déjà votre dans votre famille quelqu'un a les mêmes maladies et besoin peut-être suivre un médecin. C'est quelque chose que vous êtes longtemps à cette maladie et vous souffrir par cette maladie. Alors le travail vous êtes pas stable, peut-être vous travaillez pas une place fixe ou pas un contrat. Commander un contrat fixe, c'est quelque chose que vous travaillez peut-être remplacement, c'est pas le bon moment peut-être trouver un travail fixe. Pour ça c'est quelqu'un qui se sent coupable parce qu'il a quitté un travail, qu'elle sent culpabilité parce que maintenant vous trouvez dans des difficultés trouver le travail. Besoin peut-être l'équilibre, vous êtes peut-être un problème là, avec ce travail, avec la justice, ou soit vous tendez à une justice, peut-être ce contrat de travail qui était terminé, ou soit vous êtes faire quelque chose et qui est ce travail et vous êtes quitté ce travail, ou soit c'était un vous êtes demandé la loi ou demandé peut-être la justice pour rembourser les salaires, ou soit quelque chose qui était arrivé par ce contrat et c'était tardé pour vous, le jugement, les procès que vous attendez, c'était tardé pour vous, professionnels. Vous tendez encore, mais vous n'êtes pas stable parce que votre patron, peut-être, il dit c'est votre faute parce que vous êtes quitté ce travail, c'est pas. Ce n'est pas votre patron qui l'a donné congé, peut-être c'est vous. Vous êtes même que vous êtes faire l'erreur d'un travail, vous faites une faute et votre, vous êtes allé au tribunal avec cette personne. Peut-être il y a un jugement, mais les gens qui votre chef ou c'est votre patron qui dit vous êtes votre faute que vous êtes quitté ce travail. Ou si vous êtes vous-même qui vous êtes faire l'erreur, ou soit vous êtes une personne, vous êtes quitté un travail sans réfléchir. Et peut-être pour ça, il y a des choses qui tardent pour vous. Est-ce que vous gagnez ce procès professionnel? C'était une rupture radicale pour moi, c'est quelque chose qui s'était cassé. Bah, c'était une dispute, soit un problème avec chef ou avec l'entreprise. Il y a quelque chose qui était parti. Pour ça, c'était vous sentiez trahi côté matériel, côté l'argent, à cause de l'entreprise. Peut-être elle ne veut pas payer votre salaire, soit elle dit peut-être vous êtes, c'est vous, vous êtes faire le problème et la guerre avec les autres. Et pour ça, vous êtes. Problème de rupture radicale pour moi, un contrat c'était terminé radical ou soit un travail radical. On verra avec ces cartes là, elle est sentimentale.
santé mentale, besoin obtenu plus les formations et les travails et l'argent. Pour moi, il y a une nouvelle direction, choisis une nouvelle direction. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va aider à sortir cette situation. Alors, les contrats, c'est les clés. Les clés pour trouver une solution pour cette contrat. Pour moi, c'est fini, cette contrat. C'était radical, c'est un travail. Vous êtes quitté un travail qui vous êtes, peut-être vous-même, qui vous êtes pas réfléchir, peut-être quitter ce travail et vous sentez la culpabilité. Et peut-être vous êtes faire un procès avec le travail, mais c'est... vous ne gagnez pas ce procès parce que les choses, ça va tarder pour vous. C'est quelque chose qui est négatif pour vous. Alors, on verra avec les cartes parce que ça va tenir pour la famille. La famille, attendez-vous. Il y a peut-être un déménagement, une maison, si vous êtes séparé avec la famille ou séparé avec un... Dans le couple, il y a quelque chose qui vous tendait à une maison, un déménagement ou une séparation. Alors, la santé, il y a un grand changement. Vous trouvez votre santé. Peut-être que vous n'êtes pas bien à cause des ruptures de travail, les ruptures, un contrat. Vous êtes en difficulté de l'argent. Peut-être que vous sentez trahi. Votre patron qui n'a pas payé votre salaire, qui vous sentez trahi. À cause d'une personne, un tiers personne, qu'elle a fait beaucoup de problèmes pour vous. Alors, vous faites beaucoup de soucis. Alors, on doit attendre, c'est les choses qui vont tarder pour vous. Je tire encore une carte pour vos professionnels. C'est besoin de temps pour gagner ce procès. Vous gagnez ce procès, mais pas tout de suite. Parce que les choses, ça va tarder, parce qu'à cause de votre chef, il n'est pas d'accord, peut-être payé, ou soit quelqu'un qui n'a pas accepté le conflit qui est arrivé jusqu'à la justice, peut-être quelqu'un qui ne veut pas payer, parce qu'il pense que vous êtes fait quelque chose, ou soit une bagarre avec quelqu'un, ou avec votre chef, il y a quelque chose que vous êtes fait et que vous sentez coupable. Et peut-être votre chef, il dit, c'est vous êtes fait le problème, alors on ne paye pas. Peut-être il y a un jugement, mais ça va tarder pour vous. Vous gagnez le procès. Voilà, merci beaucoup. À bientôt, mes amis. Si vous aimez la vidéo, partagez. Au revoir.